Et ça y est les frères, ça fait plus d'un an que je vous dis que le jeu va dans cette direction. Et aujourd'hui c'est officiel les gars. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie. Vous l'avez vu au titre, NXB, ça y est les gars, va fermer. C'est décidé, ça a été annoncé aujourd'hui. Merci aux braves qui m'ont prévenu sur Instagram. Instagram en description les gars. Je vais vous traduire un petit peu cette notice que l'on voit là à l'écran, et après on va en parler un petit peu par rapport aussi à l'anniversaire les gars, on va parler de ça un petit peu. Donc ils sont au regret de nous annoncer que NXB va fermer. Ils disent merci pour le soutien et espèrent que l'on va continuer à s'amuser en gros sur le jeu jusqu'au 9 décembre à 3h du matin UTC les gars, et ils nous souhaitent de continuer à nous amuser jusqu'à ce que le jeu ferme complètement. Le message est extrêmement court, regardez, il n'y a pas d'autre truc écrit en dessous, donc en gros ils te disent, si en plus vous avez acheté les Shinobits et tout, ben, utilisez-les avant le 9 décembre. C'est tout. Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est tout. Ils te disent pas, ouais, allez on te régale, 1000 Shinobits, allez pour vous régaler un peu, 2000, un accès à des tas de trucs, non, rien. Le jeu ferme le 9 décembre, ta gueule, casse-toi. Non ouais, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu juste, un peu limite. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je trouve... Mais après, je me suis dit, non, attends, il y a autre chose. Il y a, je sais pas, non, non, non. Merci, on ferme le 9. Allez, ciao, bisous. Je trouve le message un peu limite, les gars. Et donc, voilà, par rapport à ce round-up absolument fou. Allez, bouge-toi, connecte-toi, fils de pute. En voyant ce round-up, également avec des abonnés, ben on s'est dit, ça y est, c'est la fin du jeu en fait, hein, là, il s'est pour régaler tout le monde. Là, on en a parlé dans la dernière vidéo, les gars, je vous invite à aller voir, round-up où ils ont sorti tous les meilleurs sets, avec tous les meilleurs, tous les, etc., à acheter en 4 games, hein, en 4 games de round-up, avec des personnages boostés, tu peux t'acheter les meilleurs sets et tout, dinguerie, dinguerie. Mais je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, il y a des abonnés, ils ont dit ça dans les commentaires, ah, vas-y, ma collection de PD, là! Il y a des abonnés, ils ont dit, ouais, c'est pour relancer un petit peu la hype, pour amener du monde et tout. Il y en a un aujourd'hui, il m'a dit, ouais, limited time, ça y est, on peut réinvoquer. Il y a de nouveau la possibilité d'invoquer des Shinobits. Et il y a ça juste derrière. Voilà, fin du jeu, les gars, terminé. On va parler vite fait de l'anniversaire. De l'anniversaire, les gars, par rapport à la date de l'anniversaire. Juste du coup, oui, voilà, il y a eu un nouveau rekit 7 étoiles pour Sakura War une fois encore. Et le Pain, bon c'est même plus des 7 étoiles, c'est des 8 étoiles, des trucs un peu space. Donc le jeu les gars ferme le 9 décembre comme je l'ai dit. Et je suis allé voir un petit peu sur YouTube la date de publication de ma dernière vidéo de l'anniversaire. Les gars c'est terrible, tout à l'heure la connexion il n'y avait aucun problème. Je lance la vidéo, il faut que ça fasse que couper pour me casser un maximum les couilles, c'est une dinguerie. Jusqu'au bout frère, NXB qui doit me faire vriller le crâne. Donc regardez les gars. Ça, c'était la dernière vidéo d'invocation pour les 6 ans de NXB. Donc, il y a un an, les gars, regardez, c'était le 2 décembre. Le jeu ferme le 9. Donc, c'est étonnant. Soit il y a un début d'anniversaire, parce que voilà, l'anniversaire là avait débuté le 1er et le 2 décembre, tu vois. Donc, il y avait eu le Naruto et le Sasuke The Last qui étaient très bons. Alors, est-ce qu'il y aura un début d'anniversaire et le 9 il ferme? Ça me paraît bizarre. Namco vont pas. T'as fait des personnages, t'as fait des rekits pour que derrière le 9 il ferme le jeu. Donc on verra bien. Ça, je vous tiens toujours au courant dessus, les gars. C'est pas la dernière vidéo NXB de la chaîne. Il y aura encore une invocation. Voilà, on a des Shinobits en stock. Les gars, dites-moi si vous voulez aussi que je fasse une vidéo best-of des invocations. Moi, je me vois bien faire ça quand même pour la fin d'NXB, les gars. NXB a été malgré tout un monument pour la chaîne, les gars. On n'oublie pas, une grande partie d'entre vous m'ont connu grâce à NXB. Encore quand je fais des lives sur TikTok, il y a des bugs qui viennent, gros. Ça fait des années, j'ai arrêté sérieusement NXB. Ils me disent, ah, mais je te reconnais, toi, tu faisais des vidéos sur NXB. Et voilà, ça me fait plaisir et ça montre à quel point NXB, malgré tout, ben, j'ai touché du public, j'ai touché des gens plus qu'avec OPBR. Les gens sur TikTok, ils me disent pas « Oh là là, toi, je te reconnais, tu fais des vidéos OPBR. » Non, non, c'est des vidéos NXB toujours. Et donc, voilà. Donc, peut-être qu'il y aura un début d'anniversaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense pas. Je ne vois pas Namco se casser le cul à faire des nouveaux kits et tout. Alors que 7 jours après, une semaine après, gros, ils vont fermer le jeu. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, ça serait moche. Parce que, alors que ce sera les 7 ans de leur jeu, voilà, quand même un événement. 7 ans, c'est long, 7 ans. C'est plus vieux que OPBR, d'ailleurs. Eh ben non, 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 il n'y a pas d'événement, ils ferment le jeu. L'événement, c'est on ferme le jeu, on en a marre, on n'en peut plus. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est terrible, mais... Donc, attends, ça, c'est bon, je quitte, hein, c'était pour vous montrer la date.
C'est terrible, mais les jeux Naruto, putain, ça arrive, ça tient pas. C'est comme un Blazing, Naruto Blazing, pour ceux qui ont connu. Ça tient quelques années, puis ça disparaît, hein. Et je trouve qu'un X-Bat tenu, hein, ça fait un moment, les gars, vous le savez, ceux qui connaissent, ça fait un moment qu'on le dit, qu'un X-Bat va fermer. Les gars, s'il vous plaît, j'espère que, bon, il y a pas, il y a encore au moins 50% de l'audience qui m'écoute encore. Dites-moi, les gars, en commentaire, ceux qui m'ont découvert grâce à NXB. Je pense qu'il va y avoir une grande partie d'entre vous. Et si même vous savez exactement grâce à quelle vidéo vous m'avez trouvé, dites-le moi, les gars, ça m'intéresse de ouf. Si c'est une vidéo invocation qui vous a fait rire, ou si c'est un tuto, je sais que les tutos POW, ça a ramené beaucoup de monde. Même le dernier tuto POW a fait déjà plus de 20 000 vues, je crois. Ça, c'est toujours des vidéos qui marchent. Donc dites-moi ça, les gars, dites-moi ça. Écoutez, là, regardez, j'avais 986 000, non plus encore, 9 867 090 trucs ici. Écoute, ça va récupérer quelques 7, mon gars. Voilà, 7 de Madara, là, celui-là, on va... Ah non, non, pas celui-là. On va récupérer quelques 7, mon gars, mine de rien. Voilà, on n'a pas farmé ça pour rien. Ah, on peut le récupérer qu'une seule fois, tu vois. Je pensais qu'on pouvait le récupérer plusieurs fois, mais non, non. Ce qui fait que du coup, tout est niveau, hein. Il faut tout maxer derrière. Mais là, celui-là, celui du KLM, c'était incroyable, c'était un banger. Eh, les gars, je vous ai dit, je le sentais, hein. Je le sentais dans la dernière vidéo. Ça sentait la fin du jeu. Ils peuvent pas nous offrir comme ça les meilleurs sets et tout. Ah, gros, on la fait pas, Xorx Unique, on la fait pas. Je connais Namco, les gars, je connais. Je connais Namco. Ils peuvent pas me la faire à moi, les gars. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais n'oublions pas, les gars, malgré tout, toute l'histoire qu'il y a eu, voilà, tous les délits autour de Namco, les marabouts, les gars, les marabouts sont nés sur NXB. Ils sont pas nés sur Dokkan, les gars, la fuite de la Luck et tout ça, c'est né sur NXB. Le Tsuchikage, Hinata, Walp, Kimimaro, des multis des enfers, les gars. C'est pour ça que je vous dis, peut-être qu'on se fera une petite vidéo best-of. Mais le problème, c'est que, les gars, vous vous rendez compte le nombre d'invocations que j'ai sur NXB et le nombre de bangers que j'ai. Même des fois, il y a des invocations hors portail, c'était des masterclass. Vous imaginez, les gars, comment ça va être long pour moi de checker tout ça et de voir à faire un best-of. Mais voilà, dites-moi, les gars, en commentaire, maximum de pouces bleus, de l'amour, les frères. Chauffez-moi, dites-moi si, voilà, ça vous intéresserait, ça peut me motiver, ça peut me donner envie. Voilà les gars, globalement c'était une vidéo voilà sur ça, sur ben, c'est terminé NXB, cette fois c'est réel, c'est terminé, il n'y aura pas de retour en arrière. Il y en a quelques-uns encore parmi vous, je le sais, qui continuent d'être actifs sur le jeu et régulièrement, qui n'ont pas arrêté. Mais cross force à vous les gars, j'espère que vous n'avez pas trop mis d'argent sur le jeu, que vous n'en ayez pas mis du tout. Et puis voilà, désolé pour votre compte, voilà c'est comme ça. Les gars, n'oubliez pas de rejoindre le Instagram et le TikTok en description, c'est très important. Je vous laisse me dire en commentaire tout ce dont on a parlé, voilà, tout ce dont j'ai demandé votre avis. Et puis sur ce, kiffez bien la vie les frérots, portez-vous bien. À tout à l'heure sur TikTok pour un live ASMR. Et également les gars, je vais bouffer des croquettes pour chiens, oui. Je vous laisse aller voir sur Instagram et sur TikTok pour un peu plus comprendre. Go sur TikTok les gars, go les 10K sur TikTok. Allez, ciao, ciao.